Trésor, mémoire de radio, présente. Treceors, mémoire de radio, présente. Thirteenors, mémoire de radio, présente. Dreizehnors, mémoire de radio, présente. Je ne passe mon temps jamais plus agréablement qu'en tête à tête avec moi. Car je n'ai pas trouvé pour me distraire et m'amuser de meilleur ami que moi. Et quand je suis lassé parfois le soir de l'existence et de tous ces problèmes, je me mets devant mon miroir en me disant ces mots stupides, je m'aime. Et sans la moindre prétention, dans ma propre contemplation, avec joie je me vautre. Je me souris béat en pensant que je ne suis pas tout à fait comme les autres. Seul enfin je peux me gâter autant que je veux et ne plus penser qu'à moi. Manger du cassoulet en l'arrosant de Beaujolais et ne plus marcher très droit. Enfin repu fumer un gros cigare dans des chaussons confortables à l'extrême. En répétant dans le brouillard encore une fois ces mots stupides, je m'aime. Sincèrement, mon Dieu, tu ne peux être plus heureux qu'en tête à tête avec moi. Si tu as des chagrins, des déceptions, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Tu ne pourras jamais dans un duo être aussi bien servi que par moi-même. C'est pourquoi je me dis ces mots qui ne sont pas tellement stupides. Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. C'est une drôle de fille, hein. Ah, on peut démarrer comme ça, c'est une possibilité. Pardon? Vous êtes une drôle de fille. Ça permet de voir venir et puis ça donne de la profondeur. Alors, allons-y. Oui, je crois effectivement que je suis une drôle de fille. Mais vous savez que vous êtes un type étrange aussi. On peut dire que c'est un homme de 50 ans marié qui veut se taper une minette. Oh, je ne dirais pas d'abord qu'il veut se taper une minette. Oui. C'était de la provocation. Je ne me permettrai pas de dire ça. C'est simplement un aimable quinquagénaire qui... J'ai dit aimable quinquagénaire, qui vous voulez que ce soit. Oui. Qui veut savoir si son charme agit toujours sur les couches fraîches et féminines de la population. Auteur et comédien, il a joué au théâtre et au cinéma. Une soixantaine de films au total, dont plusieurs avec Jean-Pierre Mocky. Allez-y, Sophie. Viens, s'il vous plaît. Vas-y, regarde, vas-y, pars. On va au cinéma, monsieur? Oh oui. Allez, Mutos, vous m'aidez? Allez, papère. Lucas, en l'air. Allez. Vas-y. Oh bah, tu vas pas laisser tomber un pauvre infirme, toi? Allez. Jean Poiret a également tourné pour Sacha Guitry avec son complice Michel Serrault dans Assassin et Voleur. Froidement provocateur, pince sans rire, il campait des personnages souvent intrigants, notamment dans Le Dernier Métro de François Truffaut. Vous l'aviez remarqué quand vous étiez critique? Oui, absolument. Parce que j'adorais ce film de Guitry qui s'appelait Assassin et Voleur, que j'avais vu trois fois. Et je disais que le film avait du succès, peut-être en partie aussi à cause de la présence de Jean Poiret, qui était formidable. Je dois dire, et je crois que c'est le plus beau compliment que je puisse faire, c'est que j'ai vu en projection privée, dans une salle de projection privée qui n'est pas le genre de salle accrocheuse, j'ai vu ce film comme un
comme un spectateur, comme si j'avais pas connu le film. Et vous vous êtes beaucoup aimé. Et non, justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que les acteurs ont la fâcheuse propension de ne regarder que et d'attendre les mouvements, les moments où ils vont paraître, et là pas du tout. Jean Poiret a été dirigé par les plus grands. Après Guitry et Truffaut, il faut citer Claude Chabrol dans les années 80, pour qui il incarne le sensationnel inspecteur Lavardin. Inspecteur Lavardin, deux mots. Bon, vous connaissez le criminel ? Non, monsieur. Non, de toute manière, je ne peux pas vous faire un rapport. Il faut que j'en fasse appel à mes chefs avant. Je suis quand même sous la direction du commissaire Chabrol. Bon, ça se présente pas mal. Mais c'est un crime ou un accident ? C'est un crime accidentel. Plus exactement, c'est un accident criminel. Vous n'aimez pas les journalistes ? J'adore les journalistes. J'ai été moi-même journaliste, fils de journaliste, petit-fils de journaliste. J'ai été l'amant d'un journaliste, et c'est vous dire que j'aime les journalistes. Mais je ne peux rien vous dire, c'est trop grave. Vous voyez, je suis ici, j'enquête, je suis dans ce bureau de poste, je ne peux rien dire d'autre. Hein ? On peut se revoir si vous voulez, mais en dehors du métier. Cet homme qui aimait les femmes fut d'abord marié avec Françoise Dorin avant d'épouser Caroline Cellier en seconde noce. Celle-ci tient le rôle principal dans l'unique film qu'il a réalisé, Le Zèbre, sorti en 1992, trois mois après la mort de Jean Poiret, terrassé par une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Le Zèbre, 999, 72e prise. Clap. C'est à Paris que Jean Poiret, avec un « et » accent aigu, naît le 17 août 1926. Son nom ne se termine pas encore par un « t ». J'étais un enfant unique, je persiste et je signe parce que j'avais menacé mes parents. Dès que j'ai commencé à parler, dès que je commençais à avoir un peu la raison et le sens de ce qui allait m'arriver dans la vie, je leur ai dit « si par hasard vous aviez l'intention de me fabriquer un petit frère ou une petite sœur, je les foutrais dans le feu immédiatement ». Fils d'une famille modeste, son père est ouvrier verrier et sa mère aide-comptable, il rêve à l'adolescence de devenir chanteur d'opéra ou d'opérette. Effectivement, j'ai été beaucoup bercé, sinon dans la musique, du moins dans l'art lyrique, que je continue à adorer. Et je ne concevais pas, quand je suis allé pour la première fois au théâtre, c'était au Châtelet, comme beaucoup de petits garçons, petits enfants, et je ne concevais pas le théâtre sans musique. Un rideau qui se levait sans que l'orchestre ait préludé me semblait une aberration. Selon la légende, il veut aussi être ordonnateur de pompes funèbres. Mais en réalité, c'est déjà de théâtre dont il rêve. J'habitais face à l'église Saint-Dominique et je voyais à longueur de journée le porche de cette église tendu de noir. D'ailleurs, ces tentures m'ont beaucoup traumatisé parce qu'il y avait un écusson sur le drapé, sur la partie supérieure du drapé, avec l'initiale du nom de la personne qu'on enterrait. Et quand je voyais un P, je me disais, mes parents sont morts dans la matinée, ils se font enterrer sans m'avoir prévenu. Bon, alors ça m'a traumatisé. D'autre part, la vision des draperies de ce parvis recouvert de rideaux m'a donné le goût du théâtre. Ça vient de là. Il échoue à trois reprises au conservatoire car, lui dit-on, il n'a pas le physique approprié pour interpréter les rôles de Figaro, Iago ou Fantasio. Bon, j'essayais d'entrer au conservatoire puisque je n'y suis pas entré. Les emplois étaient très, très, très définis à l'époque. Il fallait avoir un vrai emploi de jeune premier, blond ou brun, mais avec une régularité de traits. Il fallait avoir un physique de jeune première ou un physique ronde sous brette. Et moi, je me présentais dans un valet de Marivaux. Et je me souviens que Madame Dussan, à qui je demandais son avis, qui était partie du jury, à la sortie, m'a dit « Mon cher, vous ne pouvez pas jouer ça, vous ne pouvez pas jouer les comiques, vous n'avez pas l'œil rond et le nez en trompette. » Après la guerre, il fait la connaissance de Françoise Dorin, fille du célèbre chansonnier René Dorin. Il l'épouse le 2 octobre 1958. Ses relations lui permettent alors de jouer dans quelques revues de son beau-père au Théâtre des Deux Ânes. Il débute au cinéma en apparaissant dans Les Trois Mousquetaires d'André Hunebel. Nous sommes en 1953. Mais c'est en suivant les cours de la rue Blanche qu'il rencontre un certain Michel Serrault. Ah ben, Jean, je l'ai connu quand j'étais jeune comédien, on se connaissait, mais enfin, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et puis un jour, on s'est rencontrés. On était au théâtre Saint-Bernard, on devait jouer des matinées classiques et puis ça n'a pas eu lieu, mais enfin, on a fait connaissance. Et puis un jour, en répétant, en s'amusant, on a décidé, sans savoir ce que ça donnerait, de... Je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas du cabaret ? Ne vous est-il jamais arrivé d'accepter de certaines dames un peu mûres, quelques subsides ? Ah,
Vous êtes policier. Oh non, je vous félicite. Non, si j'étais de la police, alors je vous parlerais d'une certaine petite affaire de chèque que vous avez laissée par mégarde, je pense. Sans provision. Oh, qu'est-ce que vous allez chercher là? La vérité. Enfin, alors, qu'est-ce que vous voulez pour finir? Le bonheur de Clarisse, qu'elle ne manque de rien, qu'elle ait sa cure d'eau cet été, oui. Ses petites commodités. Oui. Bah, si elle a pris un amant, il n'y a aucune raison pour qu'elle en souffre. Bah voyons. Hein? J'ai découvert ce qu'on peut découvrir dans un couple homme-femme quand on trouve son autre moitié d'orange. Alors là... Là, j'avais trouvé mon autre moitié d'orange dans la pensée comique, dans la façon d'envisager la vie, dans la façon d'envisager l'humour. Et comme à l'époque, nous étions jeunes comédiens, qu'il fallait attendre le bon vouloir d'un auteur ou d'un metteur en scène de cinéma pour débuter dans le métier, nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous ne nous prendrions pas par la main, est-ce que nous ne ferions pas nous-mêmes notre matériel ? C'est donc le coup de foudre immédiat et le duo va marquer les esprits pendant près de 40 ans. On les voit pour la première fois ensemble au cinéma en 1955 dans un film de Michel Boiron, Cette sacrée gamine, avec Brigitte Bardot. Mais c'est sur les scènes de cabaret, puis au théâtre, que le duo fait ses premières armes. Enfin, résumons les faits, cher maître. Oui. L'accusation a demandé 30 ans de travaux forcés fermes à Charles Philippon pour homicide volontaire. Oui. Alors contre-attaquez, mon vieux, quoi ? Mais pourquoi est-ce que vous me parlez durement, monsieur ? Je ne vous parle pas durement. Mais si vous avez été très méchant, mais pourquoi ? Non, non. Mais dit contre-attaquez, méchamment ! Vous avez été méchant avec moi ! Mais pas du tout, je n'ai pas été méchant avec vous, mais... Si ! Enfin, essayez de gagner 5 ou 6 mois à votre client, ça sera toujours ça, quoi ! Est-ce qu'il le mérite seulement, alors ? Ne serait-ce que pour montrer que vous y mettez de la bonne volonté, faites-le, quoi. Mais moi, je veux bien, mais quand je vous dis qu'il n'est pas coupable, vous ne voulez pas me croire, alors... Mes maîtres, ne vous croyez pas persécutés, je vous assure que ces messieurs les jurés et moi-même sommes dans les meilleures dispositions à votre égard. Vous voyez bien que nous sommes tout prêts à vous écouter. Mais je sais bien. Vous voyez bien que nous sommes tout prêts à vous croire. Je sais bien, monsieur alors, le président. Alors, bon sang. Faut pas être comme ça, quoi. Je veux seulement vous m'arrêter sans arrêt, ou... Il me dit, comment ça s'est passé ? Ah oui, mais c'est mon métier. Ouh, comment ? Ben, est-ce que c'est moi ? Oh, bon, merde. Pour gagner leur vie, ils jouent plusieurs fois par soir dans des cabarets comme la Rose Rouge, chez Gilles ou à l'Amiral. Et même si le public est souvent indifférent, leur abnégation va finir par payer, notamment au théâtre de 10 heures. Le premier à flairer chez Poiret et Serrault un talent exceptionnel et une complicité hors du commun se nomme Sacha Guitry. Il les associe dans Assassin et voleur en 1956. Ça nous a fait un grand plaisir à Michel et à moi quand il nous a proposé de tourner Assassin et voleur parce qu'il m'a dit c'est une histoire que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps. Je voulais que ce soit Michel Simon et moi qui la joue et puis nous sommes maintenant trop âgés. Alors, si ça vous fait plaisir, voilà. Jean Poiret y campe le rôle d'un homme totalement cynique, ayant commis un crime qu'il fait endosser à un cambrioleur ahuri, joué par Serrault. Cette faculté d'interpréter des personnages sarcastiques plaît à Jean-Pierre Mocky, pour qui Poiret va jouer dans plusieurs films au fil des années 60. Ah, avec Hélène. Et une main au cul, c'est de cendre. Ça sent là partout. Vous Comment voyez-je mes enfants ? Hein ? Ma femme et Angèle, contre nous deux, 10 francs le point, ça va ? Désormais connu et reconnu, il n'oublie pas le théâtre ni la télévision. La pièce de Georges Feydeau, On purge bébé, est un succès du petit écran. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation ? Ah, mais il a plutôt tendance, oui. Oui. Bien, il faut surveiller ça. Parce qu'un bon jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Tu vois ? Ouais, je peux vous en parler savamment, j'en ai une qui m'a duré 5 ans. Ah, oh, pauvre bébé, mon... Merci. Et je connais quelqu'un qui chante aussi la valse à mille temps. Mais ce quelqu'un n'est pas un interprète habituel, non ? Vous le connaissez d'ailleurs, c'est Jean Poiret. Oui, c'est un vieux copain. Moi. C'est un vieux copain ? Oui. Bah, tant mieux. En 1961, Poiret écrit et enregistre La vache à mille francs, une parodie de La valse à mille temps de Jacques Brel. Une vache à 1000 francs. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Frêle filet à 100 francs, rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Frêle à côte à 15 francs,
La poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant. Et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs, au deuxième temps de la vache. Jean Poiret, chanteur, acteur et comédien, ne peut néanmoins se passer de l'écriture. Sa première pièce, Sacré Léonard, est une satire grinçante du monde du spectacle. Je suis gêné, un ensemble de choses qui me gênent. Il y a l'éclairage que je ne trouve pas, c'est le plateau, ce plateau, c'est théâtre. Il y a le décor qui les étouffe aussi. Mais si, j'aimerais, voyez-vous, derrière eux, moi, pour aérer un peu tout ça. Une espèce de grande fuite vers une piazza, avec dans le fond la campagne castillane sous la neige. Voilà moi comment je vois les choses. Raymond, Raymond, je t'écoute. Ça se passe en Auvergne, je te le dis parce que t'es complètement... Ça se passe en Auvergne? Oui. Ils le disent dans le texte? Ah, dès la première réplique, redonnez-moi un morceau de ce merveilleux Cantal et passez-moi le couteau de la gueule que je me fous plus dans le pratique. C'est possible, remarque bien. De toute manière, ça ne change rien à l'affaire. On peut très bien avoir le puits de Dôme qui se découpe dans le lointain derrière la piazza. Ça n'a jamais gêné personne. Ah bon, bon. Alors je vais faire une maquette. Faites-moi une maquette. Une maquette. Là, je ne peux pas travailler tel que c'est disposé. Je ne peux pas travailler là. Suivent Opération Lagrelèche et Les Grosses Têtes, qu'il écrit avec son complice Michel Serrault, avant de s'essayer seul à un registre beaucoup plus sérieux avec Douce Amère. Voilà le spécimen, voyez-vous. Voilà. Ah bon, oui. Mais il a l'air doux, hein. Bon, ça, il est très gentil, très oui. Gentil. Dites-moi, je vois là, mais ça mange beaucoup, ça? Ça mange bien. Ça mange bien. Ça mange de la viande et du pain. Énormément de pain. Il me fait beaucoup de croûte, il me fait énormément de croûte. Oh. Ah bon, très bien, c'est de moi que vous parlez. Oui, monsieur. Tout sa mère est ma première pièce. C'est l'histoire d'un couple qui se quitte, dont la femme pense que tout est terminé, dont le mari pense que ce ne sera qu'une crise. Il y a un stade de son existence où on a envie d'écrire des choses moins burlesques. On a envie de s'approfondir un petit peu, parce qu'on prend de l'âge. Alors, comme on m'a donné la permission de le faire, je l'ai fait. Ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'on se quitte. Même si on ne s'estime pas coupable, on se sent un petit peu fautif. C'est qu'on n'a pas su être bien, à deux. C'est ça, la fin d'un couple, être toujours l'un près de l'autre et perdre la trace de ses cheminements réciproques. Votre première vraie pièce, c'était Douce Amère, qui était une très 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 jolie pièce et qui n'a pas très bien marché. Comment l'expliquez-vous? Je crois que là, j'ai été victime de cette fameuse étiquette dont on parle tant dans notre métier, c'est-à-dire que Poiret, de Poiret Serrault, équivalait dans l'esprit des gens à du rire, à une certaine forme de rire fort. Et je crois que le tort pour moi, ça a été de jouer cette pièce, parce que ça voulait donner un ton. Et je le sentais bien dans les premières répliques. Vous savez, les gens qui viennent et qui veulent du rire, qui veulent rire, qui sont venus avec l'intention de rire, commencent à rire. Dès qu'il y a le moindre petit prétexte, partent sur le rire. Et sont déçus si ça devient une chose un peu attendrie, un peu émue. Mais ce relatif échec est loin d'être le plus cinglant de la carrière de Jean Poiret. Car sur la soixantaine de films qu'il aura tournés, nombre d'entre eux sont des navets certifiés. Du genre de Nina de Jean Boyer dans les années 50. Dans les années 80, il essuiera encore d'autres échecs sous la direction de son ami Jean-Pierre Mocky, tels Les Saisons du plaisir ou encore Une nuit à l'Assemblée nationale. Mais Jean Poiret n'a aucun mal à reconnaître qu'il faut de tout dans ce métier et que certains films sont purement alimentaires. Je déplore effectivement cette période-là et puis subitement il y a eu un tournant, il y a eu Gérard Oury, on s'est aperçu qu'on pouvait dépenser beaucoup d'argent pour faire un film comique et que c'était très rentable. Alors voilà, il y a eu un virage, mais il est bien certain que nous avons tourné certains films d'une façon, oui, disons-le, dommage, tout à fait alimentaire. Comme ça, vous savez, il y a des tournants de l'année comme ça, comme le 15 février, le 15 mai, subitement, on a envie de re-signer des contrats. Ouais. Jusqu'à la fin des années 70, hormis quelques seconds rôles marquants, par exemple dans Le mur de l'Atlantique de Marcel Camus, le comédien Jean Poiret n'est pas vraiment gâté par le cinéma. Ce n'est qu'en 1980 que François Truffaut lui donne enfin un rôle à sa mesure dans Le Dernier Métro, aux côtés de Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Le personnage que joue Jean Poiret est un peu, pourrait être celui d'un collaborateur malgré lui. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est pratiquement collaborateur pour rendre service. C'est quelqu'un qui se dévoue. Il y a aussi une scène où Jean Poiret est arrêté par les FFI alors qu'il se trouve en pyjama. Oui. Aussi, ça va rappeler des souvenirs. Oui, pas le fait que je me trouve en pyjama, mais... Pyjama robe de chambre. Parce que ça n'a rien d'érotique. Ma prestation en pyjama dans ce film n'a rien d'érotique.
Les années 80 vont lui apporter d'autres rôles d'envergure, grâce notamment à Claude Chabrol dans Poulet au vinaigre, où il joue un inquiétant inspecteur. Il avait été question, pour le faire encore meilleur marché, de faire le dindonneau au vinaigre. Oui, le dindonneau et au vinaigre. Mais et même temps, on voulait même supprimer le vinaigre et le remplacer par quelques gouttes de citron. Voilà. Alors Jean Poiret, le poulet, oui, c'est vous. Je vous reçois. Oui, oui, oui. Le poulet, c'est vous. Vous êtes très acide. Oui, je suis en général acide, mais je crois que Claude me voit d'une façon un peu plus acide encore. Les deux compères remettent ensuite le couvert dans Inspecteur Lavardin. Après le succès au cinéma, il y aura aussi une collection de savoureux téléfilms. De nouveau très sollicité par les réalisateurs, on voit alors Poiret interpréter des rôles toujours plus ambigus, que ce soit pour Claude Pinoteau dans La Septième Cible, Jean-Pierre Mocky dans Le Miraculé, ou encore dans Lasner de Francis Giraud, l'un de ses derniers rôles majeurs. Soyons sérieux une seconde. Moi, j'ai vu La Septième Cible. Vous jouez le rôle. Moi, je ne l'ai pas vu, moi. Eh bien, je vais raconter votre rôle. Mais non, ne racontez rien du tout. C'est un thriller. Oui, hein, un suspense. C'est un suspense. Donc, il ne faut pas raconter. Hein, donc, il ne faut pas le raconter. Moi-même, je ne connais pas le scénario. Oui. Je l'ai tourné comme mécène. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin. Vous avez quand même... J'ai voulu garder justement la surprise. Mais je ne vais pas raconter la fin. Mais je vais quand même dire que vous êtes un ventriloque dans le film. Je suis un ventriloque, oui. D'ailleurs, vous allez voir, je vais vous passer la main derrière vos petits fils et puis je vais vous faire bouger. Comme... Ah oui, oui, oui. Il était pas mal. Mais au-delà du cinéma, c'est avant tout grâce au théâtre que Jean Poiret a connu ses plus grands triomphes, notamment dans Le Canard à l'Orange. Lorsque la pièce est adaptée pour la télévision, après le triomphe sur les planches, Poiret en réécrit une partie des dialogues. Tu veux prendre un verre ? Du scotch. Ah. Mais avoue que c'est beau la civilisation quand même. Regarde donc, il y a encore 30 000 ans, j'aurais empoigné ma meilleure hache de silex et j'aurais cavalé jusqu'à la caverne de Brunlow pour la lui planter dans le crâne, alors que nous voici aujourd'hui, toi la femelle et moi le mâle, en train d'examiner paisiblement la situation en buvant un verre. C'est formidable, non? Le pacifisme par alcool, voilà la vérité ma chérie, c'est ça qui est beau. Ouais. À toi. Auteur et acteur principal de Joyeuse Pâques, il fait sale comble durant plusieurs saisons. Stéphane, n'ennuie pas mademoiselle avec tes cours d'économie politique. Toi? Mais c'est Versailles. Que je te dise... Tu vas faire sauter les plombs. Tu connais mon horreur de la pénombre. Le plus difficile dans mon cas, voyez-vous mademoiselle, c'est de ne pas tomber dans la légende de dessin humoristique. Oui. Évidemment, ce sont toujours des situations bêtes. Oui, disons-le franchement. Oui, parce que on s'imagine fatalement des choses. Bah. Alors naturellement, naturellement. On est là. Faire un bon poulet au vinaigre, prenez un poulet authentique. Je suis flic. Officier de police Lavardin. J'ai une poule chez moi d'ailleurs. Il y a un flic qui vient d'arriver pour enquêter. Police judiciaire. Un poulet est pas trop nerveux. Vous avez pas le droit. On peut tout, mon petit gars, quand on est de la police. C'est tout ce que t'as à me dire. Un poulet plutôt tendre. On se repose une seconde. Une pincée de folie. Il n'est pas devenu fou, lui. Un fou. Ça me fait peur, Louis. Ces gens-là sont fous et méchants. Saupoudré d'agressivité. Ajoutez 2 cuillerées de mystère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout. Déglacé avec un brin d'érotisme. Ça peut pas être une histoire de cul. T'es un ange. Laissez mijoter dans le suspense. Tu veux la guerre? T'auras la guerre. Sans oublier le vinaigre. Eda, Delphine a disparu. Ils crèvent tous. Ça va mal se terminer, tout ça, je te préviens. Elle est morte, maman. Elle s'est tuée. Aide deux. Et chut. Les loups pourrissent de l'intérieur. C'est une recette secrète. Dis rien, Louis. Dis rien, Louis. Je vous piégerai, je vous préviens. Parce que je sais voir clair, moi aussi. Même la nuit. Et servez chaud. Bon appétit et régalez-vous. Bonjour, docteur.
Si je suis intuitif, vous devez être l'inspecteur chargé de l'enquête à propos de Gérard Filliol. C'est tout à fait exact. Et de quoi souffrez-vous? Mon pauvre ami, de tout. Les dents, la gorge, les pieds, l'estomac. Un vrai massacre, je ne dors plus. Ou bien quelques heures, les yeux ouverts. C'est tout? Mais malheureusement, non. Je souffre aussi de... comment vous appelez ça? De paranoïa aiguë. C'est bizarre, hein? J'ai l'impression que tout le monde me raconte des histoires. Ça relève plutôt des compétences d'un psychiatre. Dites, quand vous avez examiné le corps de Madame Morasso, je me trompe pas, vous êtes bien le médecin qui l'a examiné. Fait toujours attendre, alors. Mais je n'attends pas. Ah, vous m'intriguez. Et vous aussi. Voilà deux fois que vous êtes assez bon, monsieur le directeur, pour vous intéresser à moi. C'est tout naturel. Il me semble que notre précédente conversation avait été interrompue. Malencontreusement. Pourrions la poursuivre. Dans ce va-et-vient. Vous préférez peut-être le calme de la campagne. Voilà, voilà mon pied-à-terre campagnard. J'y viens retremper mes forces. Vous devez venir souvent. Ah, c'est qu'avec l'âge, l'amour devient épuisant, on récupère moins vite. Aussi, je me dorlote. Oh, mais vous avez un chien. Eh oui. Elle est brune cette fois-ci? Oui. J'ai mis les draps bleus pour les blondes. Les jaunes, voyons. Rien n'est plus doux que le brun sur le jaune, j'adore. Au menu? Bisque, rognon Saint-Louis, riz de veau, escalope à la crème. Ok, Chablis et Nuit Saint-Georges. Mais dites-moi... Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour respirer l'air de la campagne, je suppose. J'espère bien que nous ferons quand même quelques promenades. Bien entendu, mais demain matin... Je ne vous dirai pas que j'aime leur tête, ces petites chandelles dans vos grands yeux. Le baratin est un peu usé. Par contre, je suppose que ce n'est pas non plus pour mes grands yeux que vous êtes ici. Je suis ici parce que vous m'avez invité. Ma chère amie, on me dit séduisant. Je sais qu'on exagère. J'ai la parole facile, j'en conviens, mais enfin... J'étais en bon point. Oh... Ne prenez pas ce terre innocent. Je sais parfaitement que vous avez repéré ma petite boyoche. Les jeunes gens sont souvent trop maigres. Mais de là à être trop gras, me trouvez-vous donc si séduisant? Ah, vous riez. Peut-être ce hors-d'œuvre vous paraît-il trop léger? Gin. Cognac. Pibermint. Et pour moi... Un peu de poivre en plus. J'aimerais bien régler un point de détail avant d'en venir aux choses substantielles. Je vous écoute très attentivement. Je ne vous ai pas dit que j'étais fiancée. Que c'est amusant. Et votre fiancé, que fait-il? Il travaille dans une banque. Ah, ne serait-ce pas une banque dont je suis le directeur? Je crois que si. Nous commençons à y voir clair. Et comment s'appelle ce monsieur? Xavier de Protfiel. Je me souviens. Vieille noblesse, remarquable famille, père influent. Mais leur jeton est un peu indolent, disons. Il n'obtiendra pas d'avancement à la force des poignets, ça. Et j'imagine que si je lui offre un poste responsable... Il s'empresserait, ayant fait ses preuves, de filer dans une autre banque. Celle de son papa, qui ne veut pas de lui pour l'instant. Et comme je le comprends... Je peux lui jouer ce tour de vache au vieux Bretteville. Je n'en doute pas. J'adore les filles comme vous. Pas de sentiments superflus, on sait ce qu'on veut. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Vous me plaisez énormément. Je serais désolé que vous n'obteniez pas cette vie confortable dont vous rêvez. Nous allons améliorer considérablement la situation de votre petit fiancé. J'ai votre parole. Vous l'avez. Sans réserve. Marché n'a qu'une parole. En échange. En échange. Vous m'avez parlé de plaisirs substantiels. De choses substantielles, nuance. Que voulez-vous dire? Que peut dire une jeune fille? Je ne vous comprends plus. Moi non plus. C'est un marché de dupes.
Je vous ai donné ma parole. Je ne vous ai pas donné la mienne. Tiens, dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à rentrer à Paris. Léontine, je mets les bras jaunes. Et vous pouvez les remettre dans l'armoire. Je me suis laissé faire comme un petit jeune homme. Vous l'avez, votre avancement. Vous êtes content? C'est trop aimable de votre part. Mais je n'ai pas de parole. Et puis, ce n'est que justice, étant donné vos brillantes capacités intellectuelles. Vraiment, c'est trop aimable, vraiment.